En chamanisme, on peut travailler sans forcément que je connaisse l'historique de la personne. Et c'est même mieux comme ça, on travaille à l'instant T. Mais parfois, eh ben, selon ce qu'on vit dans notre vie, on a besoin d'un temps d'échange. Ce temps d'échange, il est pris au départ. pour Que la personne qui vient en soin puisse poser là où elle en est. Et surtout que, ensemble, on arrive à trouver quelle est son intention. C'est important qu'elle sache pourquoi elle est là. L'intention, elle, elle répond à la question « qu'est-ce que vous voulez voir changer ?» Aujourd'hui, là Qu'est-ce que vous souhaitez Qu'est-ce que vous voulez voir changer Bonjour à tous et toutes, et bienvenue dans cette deuxième chronique euh, de Terre de Guérison sur ZenZone TV. Aujourd'hui, je vais vous parler des soins chamaniques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un soin chamanique Pourquoi on vient en soin chamanique Comment ça se passe un soin chamanique Alors, le soin chamanique, c'est un soin de type énergétique, au final, euh, où l'on travaille avec les guides. Puisqu'on ne peut pas faire de chamanisme sans travailler étroitement avec les guides. Euh, on vient en soin quand on sent qu'il est juste pour nous. donc C'est une des principales conditions. Euh, pour pratiquer un soin chamanique avec une personne, j'ai besoin que, que la demande vienne d'elle. Parce que nous allons travailler, elle et moi, ses guides et les miens, en étroite collaboration. Donc le soin chamanique répond. À un... À un bobo de, de l'âme ou du corps, hein, donc chez les... ou pas. Partant du principe que quand ça vient s'inscrire dans le corps, c'est que dans les étages euh, au-dessus, ça fait un petit moment déjà peut-être que euh, les, les alarmes retentissent mais qu'on ne les a pas entendues, on n'a pas pu les entendre. Donc ces soins chamaniques répondent vraiment à un mal-être à un moment donné qu'il soit physique ou pas. Alors, dans la tradition chamanique, on part du principe que euh, parfois quand la maladie s'installe, c'est parce que la personne a perdu le contact avec son animal de force, animal qui la protège euh, depuis qu'elle est toute petite, qu'elle est incarnée et qui lui a permis de venir à l'âge d'atteindre l'âge adulte. La maladie peut aussi euh, être perçue comme... Euh, une intrusion hein, une faille on va dire dans laquelle euh, un esprit aurait pu venir euh, parasiter quoi qu'il en soit ce soin chamanique ce que je constate dans mon expérience c'est qu'il tombe juste c'est comme euh, un archer qui tirerait sa flèche les yeux bandés euh, et qui touche toujours la cible pourquoi parce que ce sont les guides hein, qui travaillent hein, à travers le praticien, on va servir de canal et le temps du soin, ce sont les guides qui sont là. Alors bien sûr, nous on est là incarné avec un corps, on a une voix, on peut chanter pour eux, leur prêter notre voix. Donc durant ce soin, euh, une fois établi le cercle de protection autour de nous, on va inviter les guides. Et quand je dis les guides, c'est pas n'importe qui, on fait pas du spiritisme, on invite nos guides. Donc, je vais inviter mon animal de force, mon guide spirituel et les guides que je connais dans les trois mondes. Donc, euh, le monde d'en haut, d'en bas, du milieu, ici avec nous. Et puis, je vais aussi inviter la personne qui a demandé le soin à inviter ses propres guides. Et tout ce beau monde-là va travailler en parfaite harmonie. Alors, comment commence un soin Donc, la personne vient. Euh, généralement, il y a un petit temps d'échange. En chamanisme, on peut travailler sans forcément que je connaisse l'historique de la personne. Et c'est même mieux comme ça, on travaille à l'instant T. Mais parfois, eh ben, selon ce qu'on vit dans notre vie, on a besoin d'un temps d'échange. Ce temps d'échange, il est pris au départ, pour que la personne qui vient en soin puisse poser là où elle en est. Et surtout que, ensemble, on arrive à trouver quelle est son intention. C'est important qu'elle sache pourquoi elle est là. L'intention, elle, elle répond à la question, qu'est-ce que vous voulez voir changer Aujourd'hui, là... Qu'est-ce que vous souhaitez Qu'est-ce que vous voulez voir changer Une fois que ce temps d'échange est établi, je vais prendre un petit temps pour expliquer à la personne qui vient en soin ce que c'est que ce chamanisme, dans ses grandes lignes. Parce que je crois que c'est important de savoir ce qui va se passer, quelle est la technique utilisée et euh, parfois de détricoter euh, des, des idées reçues qu'on peut se faire sur le chamanisme et puis surtout un temps précieux pour expliquer comment va se dérouler le soin. Donc le soin se déroule en trois temps. C'est comme ça que je travaille, c'est pas comme ça forcément que travaille tout le monde mais c'est ce que mes guides m'ont appris, c'est comme ça que je travaille avec eux. Donc le soin va se dérouler en trois temps. Il y a un premier temps qui est un temps de diagnostic. Donc la personne est confortablement installée, au chaud sous la couverture si besoin. On aura au préalable défini quelle est son intention, ce qu'elle veut voir changer dans le soin. Et puis on aura appelé les guides. Généralement, je fais ça avec le hocher. Donc ce premier temps, c'est un temps de diagnostic, il est fait au tambour. La personne est simplement allongée, moi je prends mon tambour, et puis je pars en voyage avec l'intention de, de la personne. L'intention de la personne, c'est euh, le drapeau hein, que moi je prends, hein, la lanterne que j'emmène dans les mondes chamaniques. Justement parce que pour avoir de bons résultats et, et, et savoir là où on va, euh, il faut savoir ce que l'on cherche. C'est l'intention de la personne. Je vais aller au contact de mes guides et eux vont m'envoyer des, des images, des visions. Encore que vision, c'est assez réducteur puisque euh, tous les sens chamaniques sont à l'affût dans, dans ce voyage-là. En tout cas, ils vont m'envoyer des réponses, des propositions. Alors ça peut être une extraction. Euh, ça peut être un recouvrement d'âme, ça peut être autre chose parce qu'ils sont très joueurs. L'extraction, c'est enlever une énergie, quelque chose qui est sur la personne mais qui ne lui appartient pas. Et qui peut-être, euh, on pourrait prendre l'image d'un petit caillou dans la chaussure, ça, ça fait parfois longtemps qu'un petit caillou est dans la chaussure, mais à force de toujours marcher avec, ben, on a fini par s'y faire, même si c'est extérieur hein, à notre corps, on a fi, fini par s'y faire, mais ça finit aussi par peut-être déboîté, déformé à certains endroits. Donc, on enlève dans l'extraction quelque chose qui n'appartient pas à la personne. Le mouvement inverse, qui est assez récurrent, c'est le recouvrement d'âme. Là, c'est l'inverse. On va aller chercher un petit fragment d'âme que la personne a perdu, qui s'est échappé en autre monde, et on va le ramener avec la force avec laquelle il est parti. Donc, c'est de la force qu'on ramène. C'est pas forcément. C'est même de mon expérience, jamais le souvenir de ce qui s'est passé. Pourquoi Parce que dans le recouvrement d'âme, euh, il y a, je pense, un moyen pour l'âme euh, de réagir en mode de survie. C'est-à-dire que quand la, on, dans notre vie, on peut être menacé par quelque chose, on, on s'apprête à vivre une expérience à laquelle on ne peut pas échapper. C'est comme si un petit fragment de nous se décrochait. Il se décroche, puis il va se cacher en outre-monde, là où il est sûr qu'il ne le vivra pas. Et du coup, l'âme a toute la force pour affronter cette chose, cet événement auquel elle ne peut pas échapper. Dans le recouvrement d'âme, on va aller récupérer le petit bout qui est parti, se cacher, se mettre à l'abri. Et on le ramène avec toute la force qu'il a pris en se décrochant, mais aussi parfois certains acquis qu'il était capable de faire et des compétences qu'on peut ramener. Donc, le recouvrement d'âme, c'est précieux parce que c'est un peu comme si un membre de la famille qui était parti depuis très, très, très longtemps rentrait enfin à la maison. Donc, il y a vraiment cette notion de, de se sentir plus entier après le recouvrement d'âme. Et puis, ça peut être autre chose, une entité sur la personne, même si ce n'est pas forcément le plus courant. Ou euh, voilà, les guides sont joueurs. Parfois, ils proposent de faire faire telle chose ou telle chose à la personne durant le soin. Ce qui est intéressant dans le soin chamanique, c'est que je ne peux pas dire à l'avance ce qui va se passer dans le soin. Chaque soin est particulier, propre à chaque personne. Et même si j'ai un protocole de, de, qui fait que le, le soin est rythmé, tous les soins sont différents. Donc ça, c'est la première partie, le premier diagnostic. Une fois que ce diagnostic est fait, une fois que j'ai fait mon voyage, je vais poser mon tambour et puis on va échanger avec la personne. Et puis, je vais lui proposer ce que les guides euh, ont proposé eux-mêmes pour la personne. Et là, il y a peut-être... Le moment le plus important du soin. À un moment donné, je vais demander à la personne est-ce que c'est ok pour vous ce que propose les guides Pourquoi Parce que quand on fait un soin, imaginons je suis là et la personne est là. Dans le diagnostic, je vais venir jusqu'au milieu, là où les guides proposent quelque chose, et je vais exposer à la personne ce que proposent les guides. Si c'est ok pour elle, elle va me rejoindre et nous serons bien alignés sur ce que proposent les guides. Et alors le soin tombe vraiment juste. En revanche, si ce n'est pas OK pour elle, le soin peut tomber dans le billet. C'est important, je crois, d'avoir l'accord, l'accueil de la personne qui vient en soin. Une fois que c'est OK pour elle, et d'ailleurs si ce n'est pas OK pour elle, on s'arrête là. On va travailler à son plus juste. Si ce n'est pas juste pour elle, au moment où on va faire le soin, alors on arrête. Si c'est OK pour elle, en revanche, on bascule dans la troisième partie du soin. Dans cette troisième partie du soin, c'est là que je vais faire. En collaboration avec mes guides, l'extraction, la plupart du temps au tambour, mais ça peut être aussi avec les mains, le recouvrement d'âme au tambour aussi, euh, et puis euh, ou les autres choses que proposent les guides. À la fin de tout ça, hein, une fois que c'est terminé, euh, on remercie les guides, on les renvoie dans les moldes d'où ils viennent, on fait un euh, nettoyage final d'enlever de, toute trace de moi sur la personne, toute trace de la personne sur moi. Ils viennent de base des soins énergétiques. Et, et puis, le soin s'arrête et ensuite il y a un temps d'échanger la priorité et donner à la personne quels ont été ses ressentis durant le soin, si c'est juste pour elle d'en parler. Voilà un peu le déroulé d'un soin. Euh, une petite chose encore parce qu'elle me semble importante. Euh, quand je fais le premier voyage, le diagnostic, je vais voir mes guides en leur disant qu'est-ce que je peux faire pour la, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour la personne. Eux vont m'envoyer des images. Ces images qui sont des images symboliques puisque le chamanisme est empreint de ce symbolisme. Ces images qui sont des images symboliques, elles ont pour objectif de me parler à moi. Euh, L'idée c'est que je puisse comp comprendre à travers le voyage que je fais les images qui sont là. Est-ce que les guides proposent de faire une extraction, de faire un recouvrement d'âme? elles ont pour objectif de me parler à moi. Ces images-là, en aucun cas, euh, ont pour objectif euh, de donner des réponses à la personne. Voilà ce qui se passe, voilà comment on voit, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, l'idée c'est, voilà, les guides proposent ceci ou proposent cela. Je ne demande pas à la personne d'aller vérifier si, ou même d'induire dans sa tête quelque chose qu'elle n'aurait pas pensé. Et parce que les guides l'ont dit, ça devient... La vérité, non. On est dans un monde symbolique et quand je vais faire le voyage de diagnostic, ce que me disent mes guides, l'objectif, c'est de me faire comprendre quel type de soins va se présenter ensuite. Voilà pour les soins. Si vous êtes tenté, n'hésitez pas déjà à mettre un petit pouce sur la vidéo et puis à me contacter. Vous me retrouverez sur un site internet. 3xw terre de guérison avec des traits d'union du 6.fr. Vous pouvez également le contacter par téléphone 06 07 78 05 16. Et puis vous pourrez retrouver les prochaines chroniques sur Zenzone TV. Bye bye!